Alors, tu connais Ina depuis l'université? Avez-vous des preuves? Vous posez des questions sur les preuves. Ina et moi avions une liaison très houleuse. De notre époque universitaire. Mais si tu me donnes la certitude que tu me pardonneras, alors je vais tout vous dire honnêtement. Je vais vous donner toutes les preuves. D'accord. Dites-moi. Regarde ça. Ce téléphone est rempli de ses photos et de ses messages. Retouchez les photos d'Alina et celui qui l'a fait chanter, c'était moi. Plutôt, c'est moi qui t'ai appelé. Mais pourquoi as-tu fait tout ça? Pourquoi avais-tu besoin de faire tout cela? Pour de l'argent. Et qu'aurais-je pu faire d'autre? Elle m'a fait faire tellement de choses. En fait, elle pensait que Alina avait une liaison avec son mari. C'est pourquoi elle m'a dit de la faire chanter. Et j'ai fait tout cela comme une bonne chose. Promesse. Combien d'argent Ina vous a-t-elle donné pour ce travail? Rond-point. 2. 2 lacs et demi. Oh mon Dieu! 2. 2 lacs et demi. Seulement. 2. 2 lacs et demi. Elle a pris de l'argent à vous et Shazad, monsieur, en mentant. Elle me l'a dit elle-même. Elle vous a pris de l'argent à tous les deux en mentant. La santé de sa mère. Donc, pourquoi tu me racontes tout ça maintenant? Je veux dire, pourquoi voulais-tu me dire tout ça maintenant? Je suis fatigué maintenant. Faire toutes ces mauvaises choses. Depuis que je suis en prison. Je suis devenu une meilleure personne. Maintenant, je ne veux pas faire de mauvaises choses. Promesse. Je veux vraiment qu'en ce moment je vous remets à la police. Mais ma conscience ne me le permet pas. Parce que je t'ai promis tout à l'heure que je te laisserai partir. C'est pourquoi je te pardonne. Merci. Que puis-je vous dire? Monsieur, c'est ça. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Et pas de place. Vivre. Si vous pouviez aider d'une manière ou d'une autre. Pour cela, tu dois faire un travail pour moi. Alors, dis-le, quel travail? Écoute, je rentre d'ici maintenant.